Bonsoir, bienvenue pour cette troisième session d'entraînement. Ben, pour rappel, je suis David Blondio, personal trainer et directeur de la Fitness Academy. Je suis accompagné par mon épouse, Marie, qui sera mon élève et mon collègue pour cette troisième séance. Step by step, j'essaierai de découper les mouvements de telle sorte que ceux qui sont moins bien entraînés puissent suivre ce cours. Donc, on l'a fait relax, nous déconfinons et nous allons nous dérouiller. Nous allons commencer par un petit échauffement, comme d'habitude. Marie, place-toi à l'aise. On va ouvrir tout doucement. Ok, on va descendre et on va monter. Ok, on fait 20 répétitions. Ouvre bien, tranquillement. Tu fais ce que tu veux avec tes mains. Voilà, on réveille la machine. 3. Très bien. 4. 5. Parfait. 6. 7. 8. 9. Très bien. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19 et 20. Maintenant, on met une jambe devant l'autre, ok, en position de fente. On va descendre, on va monter, on va descendre, on va monter. Un grand pas, les bras en équilibre, et 1. On va en faire 10 aussi. 2, 3, 4, 5, 6, très bien, 7, 8, 9 et 10. Super. On récupère la gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Maintenant, on va se mettre bien droit, on va étendre les mollets et on va profiter aussi pour tout doucement chauffer le haut du corps en montant 1 sur les mollets, 2, 3, 10 fois tranquillement. 1, voilà, 2, 3, 4, 5, excellent, 6, 7, 8, 9, et 10. Très bien. On va refaire la même chose. Les pieds sont dans cette position relativement inconfortable. Au lieu d'aller sur le côté, on va aller devant. 1, 2, 3. On s'étend 10 fois de la même manière. 1, voilà. 2, 3, 4, 5. 7, 8, 9 et 10. Très bien. Les jambes, les pieds comme un canard, les mains aux oreilles. 1, 2 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10. Très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Relax. On tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On s'étend à droite, on s'étend à gauche. On étend très bien. 2, très bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Même chose de l'autre côté. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Petit coup de poing. On ne vous cadre pas. Laissez-vous aller. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Où vous voulez, 10 fois, on alterne, on joue, on est libre, on est déconfiné. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et stop. Très bien. Et on arrive au bout de l'échauffement. 1, 2, 3. Pour être certain que tout est bien chaud. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne. 1, 2, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et maintenant, on va faire les petits sautés. Et je vais te demander aujourd'hui de tourner en même temps. 1, 2, 3, 4, 5. On en fait 20. Et on récupère. Et tu tournes, tourne sur place. Toujours en même sens ? Voilà, comme tu veux. Tu es libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Excellent. Ah, très bon démarrage. Super. J'espère que vous êtes tous bien chauds. Bon, vous savez, j'évite de répéter systématiquement les mêmes exercices. J'aime la créativité. Le corps est fait de telle sorte que les mouvements peuvent être extrêmement, variés et multiples grâce à l'entraînement intégré et fonctionnel. Premier exercice, je vais systématiquement essayer de corser l'exercice, vous expliquer comment le faire si vous êtes en bonne condition physique et comment le faire si vous êtes davantage mouillé. Le premier exercice, les mains sont toujours au niveau de la poitrine. Je vais étendre ma hanche, tirer les mains en arrière et revenir. 1. Tirer les mains. 2. Et revenir systématiquement. 3, 4, à la poitrine. Concentrez-vous sur un côté, 10 fois. Évitez que les mains aillent comme ceci. Gardez-les comme ceci. Vous allez sentir toutes vos épaules se réveiller. 10 droite, 10 gauche, à trois maris. Les bras sont toujours cette position. On s'étend et on revient. 1, excellent. Voilà. 2. Pensez bien à étendre cette partie. Voilà, bien au niveau de la poitrine, Marie. 4, très bien. 5, 6, 7, 8, excellent. 9 et 10, très bien. Même chose de l'autre côté. Voilà, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Excellent. Maintenant, un petit exercice qui va vous apprendre quelque part à gérer votre stress. Petit exercice d'équilibre. Vous allez tâcher de garder l'équilibre sur un pied. Et tout simplement, avec votre main gauche, vous allez viser, voire toucher l'avant du pied. 1, je reviens slowly. 2, devant. 3, 10 droite, 10 gauche, tranquillement, trouvez l'équilibre, vous essayez de fléchir au maximum, bien entendu. Si vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes fatigué ou parce que votre condition physique ne le permet pas, penchez-vous légèrement vers l'avant. Ah oui, 1, on revient.
tout doucement. Deux. Marie essaie de fléchir la jambe. Voilà. Trois. C'est parfait. Quatre. Excellent. Cinq. Six. Sept. Huit. Encore deux. Oui. 9 et 10. Ok. Très bien. Alors, deuxième. Même chose de l'autre côté. Attention, on est toujours plus rigide d'un côté que de l'autre. C'est le cas pour tout le monde. Il se peut que vous ayez moins d'équilibre d'un côté que de l'autre. C'est déjà un exercice qui n'est pas facile. 1, 2, en l'avant du pied marié. Voilà. 4, pas mal du tout. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien, super. Précédemment, voici l'exercice que nous avions fait. Je vous mets encore dans l'embarras. Je vous demande de lever un genou, tirer, revenir. Vous gardez le genou, repartir, revenir. Repartir, revenir. Ok ? Marie ? Les bras sont tendus. Je lève la jambe. Je démarre, je relève et je repars. Deux. Bien tirer les bras derrière. Excellent. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et stop. Excellent. Ça va, tu te sens à l'aise? Oui, c'est bien. Bien. Ok. Il faut gérer le stress, hein. C'est pas évident. Ok, de faire monter un corps en puissance, donc d'avoir une montée d'adrénaline, et puis de devoir la gérer. Okay. Attention, non, on reprend le bras, la jambe est là, je vais tirer et revenir. 1, 2, 3, très bien, 4, voilà, 5, parfait, 6, 7, 8, 9, et stop. Excellent. Et voilà, je vais encore vous demander de gérer votre stress. Cette fois-ci, on ne va pas aller seulement devant, on va aller, même moi j'ai du mal, devant un côté. Devant, côté. Ici, on va en faire 8 au lieu des 10. On se concentre. 1. Ah oui. Je me reprends. On se reprend, on se reprend. Ok. Vous êtes nombreux. 1. Hein. On revient. 2. Et on se relève. Voilà. 2. 2. Très bien. 3. 3. Voilà. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 et dernier, 8 et 8. Très bien. Ça chauffe. Ok. Même chose de l'autre côté, tranquillement. Voilà. 1, je me relève, côté. Voilà. 2. Plus vous allez fléchir, bien entendu, plus les fessiers vont travailler. Voilà. Regardez comme la cheville peut bouger. Hein, la cheville, effectivement, tourne. Voilà, très bien. 4,
Encore 4, c'est très bien. 1. Voilà. 2. Voilà, excellent. On se concentre. Et la toute dernière, devant. Et derrière. Très bien. Excellent. Bien. La première fois, nous avions ce mouvement. La deuxième fois, je vous avais demandé de garder l'équilibre et d'effectuer le même mouvement. Je corse, maintenant nous allons faire ceci, grand rond, en équilibre. Ceci, lorsque nous sommes là, grand rond. Quand on sent qu'on perd l'équilibre, au lieu de se tendre, fléchir. Donc si au moment où vous allez faire vos grands ronds, vous sentez que vous perdez l'équilibre, fléchissez légèrement. Hop. 1. On doit encore se concentrer. C'est pas évident. On commence avec le pied là. On va d'abord effectuer notre mouvement, revenir, grand rond et repartir. 10 fois tranquillement. On tire, on revient. 1. Excellent. On part, on revient. 2. Très bien. 3. Voilà. Et le souffle, oui, c'est tout à fait normal. Très bien. On remonte. 4. Très bien. 5. Oui, c'est ça. 1. Rond. Oui. Attention, on revient. On repart. Ok. Repart directement. Hop, hop, grand rond. Voilà, encore 2. C'est très bien. Hop, voilà, le dernier. Hop, voilà, très bien. Ok. Puissant, hein? Oui, très puissant. Vous savez, je dis souvent que en modifiant les schémas de mouvement d'une personne, on peut avoir une répercussion extrêmement importante sur les schémas de personnalité. Okay? Gérer le stress dans la vie de tous les jours, eh bien, gérer le stress dans l'activité sportive, ça peut terriblement aider. On en reparlera une prochaine fois. Nous reprenons notre exercice d'avant. Okay? Nous étions descendus devant, ensuite devant, côté. Maintenant, on va le faire devant, côté, arrière. 1, 2, 3. Au lieu d'en faire 8 comme précédemment, on va en faire 6. Vous devez bien entendu vous concentrer. Pensez à expirer. Devant, côté, derrière. Devant, côté, devant, côté et derrière, Marie. Voilà. Et on essaie de tourner légèrement le tronc. Hop, 1. Hop, 2. Hop, 3. 1. 2. Essayez de bien tourner. C'est parfait. Voilà. Encore 3. Très bien. 1. On se relève. 2. Et 3. Excellent. Très bien. Alors, on se repositionne. Pas de souci. 1. On se relève bien. 2, on se relève bien. 3, encore 1, voilà, fais-le en relevant systématiquement. 1, je me relève.
2, je me relève. Et 3, excellent. Hein? Oui, ça va. Non seulement pas facile, mais exercice qui est aussi puissant. Vous voyez, c'est pas un exercice facile, même pour une personne qui est déjà entraînée. 1, 2, 3. Très bien. 1, 2, 3. Oui. 1, 2, 3. Encore 3. Essayez de te relever systématiquement hein, avant de descendre. 1, très bien, c'est ça. 2, 3, 1, 2, 3, et la toute dernière, 1, 2, et 3. Excellent, on respire. Ouf, chaud, hein? Très difficile. Très bien. Deuxième type d'exercice, vous allez sauter de droite à gauche. 1, 2. Si vous n'êtes pas entraîné, fatigué, faites des petits sauts. Si vous sentez que vous avez une bonne forme aujourd'hui, faites des pas plus loin. Mais nous allons faire, par la même occasion, une élévation avant, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 10 fois. Vous montez les bras au moment où vous êtes stable. 1, je suis stable. 2, 10 fois. Il y en aura 5 de chaque côté, tranquillement. Ok? Hop, 1. Bien monter le genou au niveau de la poitrine. 2. Voilà. Hop. 3. Hop. 4. Très bien. Hop. 5. Excellent. Ah ouais. 6. Hop. 7. Hop. 8, hop, 9, hop, et très bien. Pas facile, hein? Pas facile du tout. Donc pensez, quand vous atterrissez, si vous sentez que vous perdez l'équilibre, pensez toujours à rester fléchi. Très bien. Un exercice qui n'est pas facile. Hein? Rappelez-vous, ce qui est important pour moi, une partie que j'affecte terriblement à la partie de la scapulaire. Hein. Et je vous expliquais que donc, c'est toute cette partie haute du dos qui fait qu'on se tient droit, qu'on a une belle posture. Comment dire, je vous ai dit, il y a des exercices extrêmement intéressants que sont le I, le T, le W et le L. Je vais vous demander maintenant de faire un I et un T, mais pas n'importe comment, avec une fente avant. Ce que je veux aujourd'hui, c'est 1, 2. Si vous êtes fatigué, que vos jambes ne sont pas assez résistantes pour l'exercice, faites simplement un pas en avant. Marie a une bonne condition physique, elle peut le faire. Je vais lui demander 1, 2, I, T, en alternant les jambes. Ok? Droite, maintenant gauche avec le T. Voilà. 3, 4, très bien, 5, 6, 7, 8, 9, et stop, très bien. Je vais continuer à ennuyer Marie et vous ennuyer par la même occasion. Bien, nous allons faire le même exercice que tout à l'heure, mais au lieu de monter les bras comme ceci, on va les montrer comme ça. Vous devez vous concentrer, c'est clair que ce n'est pas un exercice facile. En d'autres termes, hop, 1, hop, 2, hop, 3. Vous allez voir, au fur et à mesure de le faire, hein,
vous allez trouver beaucoup plus facilement l'équilibre. Il y a de grandes chances que Marie fasse l'exercice beaucoup plus facilement qu'elle ne l'a fait la première fois. Tranquillement. 1. Très bien. Hop. 2. Voilà. Excellent. 3. Hop. 4. Hop. 5. Hop. 6. Excellent. 7. Hop. 8. Hop. 9. Hop. Et 10. Excellent. Très bien. Ce n'est pas un exercice facile, hein, ok? L'équilibre n'a rien à voir avec le niveau de condition physique. Hein. Vous voyez que même Marie, qui a l'habitude de faire des exercices très régulièrement, a beaucoup de difficultés. Précédemment, je vous avais demandé de faire une fente avant avec un I et ensuite ce qu'on appelle un T. Je vais vous demander de faire la même chose, une fente arrière avec un W, 90 degrés, retour, petite L. Le petit L, je vous rappelle, le bras est collé, il va s'ouvrir. Ça donne ceci. Pour le W, c'est 90 degrés. Soit 1, 2. Avec une fente arrière, W, et ensuite l'autre jambe, L. 1, voilà, pense à bien expirer. Très bien. 3, voilà. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Voilà. Aujourd'hui, je fais des mouvements qui sont pas facile, des positions d'équilibre pas évidentes, nous allons faire le troisième exercice. Le premier, je vous avais demandé un saut monté en avant. Le deuxième, je vous avais demandé un saut monté sur le côté. Et maintenant, je vais demander à Marie de tenir les mains au niveau des oreilles, de faire un saut, monter, revenir. Un saut, monter, revenir. Comme si tu poussais les haltères. Hop. Si au début tu fais des erreurs, je te corrige, c'est tout à fait normal. Hop, 1, hop, 2, très bien. Hop, 3, très bien. Hop, 4, hop, 5, voilà. Hop, on respire. 6, c'est parfait, Marie. 7, 8, 9, et stop. Bien. Pas facile. Je pense que vous êtes nombreux à avoir eu beaucoup de difficultés avec cet exercice. Voyez, vous serez étonné de voir, si vous attendez un jour ou deux de recommencer, combien ce sera beaucoup plus facile. Un corps s'adapte extrêmement facilement. Bon. Maintenant, je vais vous montrer l'exercice que j'appelle la tondeuse. Okay, vous pourriez le faire avec un câble, et bien nous en avons. L'idée, c'est ceci, c'est que vous imaginiez que vous deviez allumer une vieille tondeuse qui est restée éteinte tout l'hiver. Hein. Ce n'est pas une tondeuse électrique, c'est une manuelle. Vous allez écarter les jambes, vous allez fléchir, attraper le levier de la tondeuse, tirer violemment et je vous demande de regarder le coude. J'étends, je fléchis. Je fléchis. Je fléchis. Et je regarde mon coude. Pourquoi garder le coude? Parce que je veux que votre tête réapprenne à tourner et que toute la partie okay, du corps, de la sangle abdominale, se mette à travailler. Okay? Donc, j'étends, je prends ce câble et je tire. On écarte bien, je vais chercher le câble, je tire et 1, très bien. On étend et 2, très bien. J'étends, 3, excellent. 4, ici on va en faire 15. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, très bien, 13,
14 et 15. Excellent. Parfait. Et l'autre côté, je m'étends à. Et voyez combien toute la tête se met à tourner et toute la sangle abdominale participe au mouvement. C'est donc loin d'être un exercice figé. Très bien. 6, 7, 8, 9, encore 5, on tire bien, et 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Ça va ? Oui. Ok. Plus à l'aise ce genre de mouvement, hein, beaucoup moins d'équilibre, donc beaucoup plus faisable. Je serre mes deux mains et je vais vous demander de donner un coup sec et de bloquer au milieu. Vous allez vous concentrer sur un côté, ce qui va donner, vous donner le maximum et vous bloquer. Un, deux, trois, 10 d'un côté, bloquez bien au niveau de la poitrine, donnez tout ce que vous avez dans le ventre. Un, vous allez sentir qu'il se passe énormément de choses au niveau de la sangle abdominale. Tournez bien et on bloque. On se concentre sur un côté. Tu trouves bien l'assise, tes mains sont au milieu de la poitrine. Tu vas le chercher en regardant tes mains. Un, voilà, sec. Deux, très bien Marie. Trois, quatre, cinq, six, sept, coup sec. Huit, voilà, neuf et dix. Excellent. On vide toute sa rage. On repart à gauche et ouf. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et très bien. Puissant. Petite variante, imaginons que notre tondeuse ne s'allume pas. Eh bien, nous allons demander à notre ange de nous donner un coup de main. Au lieu de faire ceci, je vais demander à Marie d'ouvrir, revenir, d'ouvrir, revenir, d'ouvrir, revenir. Toujours en regardant son coude. On y va. 1, 2, 3, très bien. 4, 5, très bien. 6, toute cette hanche qui maintenant, 7, participe au mouvement. 9, encore 5, c'est très bien Marie. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Plus vous allez utiliser les chaînes musculaires en un mouvement, plus il est consommateur d'énergie. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus intéressant de travailler dans des mouvements transverses que des mouvements qui sont purement frontaux ou sagittaux. Ok ? Côté gauche, très bien. J'ouvre. 1, très bien. Et là, vous pouvez voir combien toute cette hanche participe au mouvement. Imaginez le nombre de muscles qui se mettent à travailler en même temps. Voilà. Voilà. Allez, encore 5. Allez, on est parti. Et 1, 2, 3, 4. Et 5. Très bien. Très bien. Attention aux corses. Ce sera probablement le mouvement le plus puissant de notre séance d'entraînement aujourd'hui. Je vous avais demandé tout à l'heure de garder les mains et de taper d'un coup sec. Maintenant, je vais vous demander de faire ce mouvement-là de manière beaucoup plus dynamique. Je frappe lorsque je suis de côté. Si
Marie a des difficultés, elle ne connaît pas cet exercice. Hein. Aujourd'hui, il n'y a rien n'est programmé, en tout cas, elle ne connaît pas les exercices proposés. Je la corrigerai. Vous êtes de côté, vous frappez. Un. Fais-en un ou deux pour te chauffer. Mais toi, d'abord, commence du côté. Non, voilà. Et donne le coup. Un. Un. Très bien, on est parti. Hop là. Deux. Deux. Très bien. Trois. Trois. Très bien. Frappe bien devant. Quatre. Quatre. Frappe bien devant. Cinq. Devant, Marie. Cinq. Voilà. Six. C'est ça. 6, 7, 7, encore 3, et 1, 1, 2, 2, 3, et 3, excellent, voilà, je sais que vous avez le goût, on va faire notre dernière variante avant de faire un cool down. Si vous êtes arrivé jusque là, chapeau. Hein, aujourd'hui, c'est un exercice qui était déjà, une séance d'entraînement qui était déjà loin d'être facile. La première fois, j'ai demandé à Marie de tirer, ensuite de tirer avec l'ouverture. Et maintenant, je vais demander à Marie d'être créative et de faire le même mouvement en donnant un coup de poing où elle veut dans les trois points, ce qui va donner. Soyez créatifs. Frappez où vous voulez, tirez le coude et revenez. 15 fois, vous êtes créatif, vous êtes déconfiné, un corps est fait pour tourner dans trois dimensions, vous êtes libre. J'ouvre la hanche, n'oublie pas, et on frappe. On prend le mouvement doucement, Marie. J'ouvre la hanche, voilà. Et on est parti, 15 répétitions, on frappe. Hein. Ah, voilà, excellent. 2, 3, voilà, elle varie bien les angles, voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, et l'autre côté, très bien. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore 5, et 1, 2, 3, 4, et 5. Avant d'achever la séance, un petit coup d'arme, hein, retour au calme. Ça va, Marie? Oui. Oui. Ok. Un, je m'étends. Deux. Trois. Tranquillement, avec un petit pas en arrière. Un, on en fait 10. Deux. Trois. Quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais maintenant mettre une main derrière le dos. Celle-ci est comme s'il était bloqué au plafond. Elle ne va pas tourner, elle va rester stable. 1, 2. Donc, pas ceci, la main reste. Je tire le tour, 1, 2, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Je vais guider, donc le bras reste collé et juste le tronc va tourner, revenir, tourner, revenir. Insiste bien, 3, fais bien tourner. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, l'autre côté, très bien. Un, voilà, essayez de garder la main, non, non, essayez de garder la main bloquée. Un, voilà, comme si
8, 9 et 10. 1, 2, 3, 20. Tire bien. Serre bien les mains. On garde bien les bras à côté des oreilles collées. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Bien. Eh bien, nous vous remercions pour votre présence aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. Je tiens encore à remercier les élèves de la Fitness Academy qui ont participé à la création de tous les exercices que je vous montre aujourd'hui et qui seront diplômés début juin. Ils ont tenu le coup durant toute la période du confinement. Un grand merci encore à eux. Merci à vous. Merci Marie. Et à très vite.